La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre frère. Bienvenue à chacune et chacun, que vous veniez pour la première fois ou que vous veniez régulièrement, soyez ici chez vous, dans cette maison où nous sommes rassemblés pour nous ouvrir à la présence de Dieu. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais du site internet ou celui des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres, en particulier avec celles et ceux qui traversent un temps d'épreuve et d'incertitude, un temps de peine et de solitude. Et merci à Aurélien Péter qui nous accompagne à l'orgue ce matin. Prions ensemble. Père, nous voici devant toi les mains ouvertes et le cœur abandonné à ton invisible présence. Augmente en nous la foi, la confiance, la fidélité. Augmente en nous l'amour, la compassion et la gratuité. Augmente en nous l'espérance, la patience et l'humilité. Et remets en nos cœurs cette parole. Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci parce que tu es au milieu de nous. Amen. Je vous invite à prendre le premier répond qui se situe au tout début du psautier français. Nous suivons la liturgie du temps de Pâques. Nous nous levons et nous chantons « Ô Seigneur, ta fidélité ». Louons le Seigneur. Éternel, ta présence est comme une pluie qui tombe sur un terrain moissonné, comme des ondées qui arrosent la campagne. Tu es promesse de vie au cœur même de l'aridité de notre vie quotidienne. Éternel, ta parole nous affranchit de l'oppression et de la violence, car dans l'assurance de ton amour, pour le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide, nous trouvons les mots pour te confier notre peur et notre espoir dans la promesse du règne qui vient. Nous puisons la force de choisir pour notre vie les chemins de la justice. Dans la certitude de ta fidélité, nous recevons l'audace de rencontrer et de témoigner. Merci Éternel, pour nos cœurs et nos yeux qui s'ouvrent sur la simplicité de tes dons et pour la joie qui nous illumine. C'est par elle que ton règne s'avance parmi nous. Que tous les rois
se prosterneront devant toi et que toutes les nations te serviront. Alléluia. Et je vous invite à chanter le psaume 91 qui demeure auprès du Seigneur, les strophes 1, 2 et 5. Prenez place. Dans les heures qui ont précédé sa crucifixion, Jésus a donné ce commandement nouveau à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qui l'aiment. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
nous nous présentons devant Dieu. Éternel Dieu et Père de tous les hommes, nous voulons nous tenir devant toi maintenant dans la vérité de notre humanité. Nous déposons devant toi tout le poids de nos épreuves, de nos deuils et de nos chagrins. Tu sais tout le poids d'un cœur chargé de nos oublis, de nos impatiences, de nos jugements hâtifs et souvent sans appel, et de nos propos désordonnés. Tu connais nos lâchetés, nos lassitudes et nos paresses. Tu vois notre manque d'imagination à innover ou à prendre des risques pour que soit annoncé ton évangile d'amour, en particulier aujourd'hui. Éternel Dieu et Père de tous les hommes, tels que nous sommes, nous nous abandonnons à toi. Viens à notre aide. Amen. Chers amis, nous pouvons être debout devant le Seigneur, sans crainte de son jugement. Je vous invite à vous lever pour vous présenter à Dieu et recevoir sa grâce renouvelée sur chacun de nous ici. Peut-être avons-nous le sentiment que Dieu est loin, et pourtant le prophète Ésaïe nous rappelle que notre nom est gravé dans la paume de sa main. Quels que soient nos égarements, quelles que soient nos fautes ou nos chutes, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Quels que soient les fossés, les barrières ou les murs que nous mettions entre Dieu et nous, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Au-delà de nos fautes et de nos ténèbres, notre nom reste gravé dans la paume de sa main. Alors, à vous toutes et tous, souvenez-vous, vous êtes aimés de Dieu. Amen. Relevés par le pardon de Dieu, nous confessons notre foi. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint,
Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Gloire à Dieu et dans les cieux et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Dans la continuité des textes qui ont été lus pour le jeudi saint, le vendredi saint et le dimanche de Pâques, nous restons dans l'évangile de Marc avec la dernière partie de l'évangile qui n'est pas dans toutes les versions de nos Bibles parce que c'est une finale de l'évangile qui est un peu à part. Mais il semblait important d'aller y regarder de plus près parce qu'elle pose la question des apparitions qui sont très présentes dans tous les évangiles. Et donc cette finale de Marc nous invitera à cette réflexion. Dans Marc 16, les versets 9 à 20. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie-Madeleine, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui, et qui étaient dans le chagrin et les pleurs. Et eux, entendant dire qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent pas. Après cela, il se manifesta sous une autre forme à deux d'entre eux qui marchaient pour se rendre à la campagne. Eux aussi s'en allèrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 alors qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, puisqu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit, « Allez dans le monde entier et proclamez la grande nouvelle à toute la création. Celui qui aura cru et aura été baptisé sera sauvé. Mais celui qui n'aura pas cru sera condamné. Pour ceux qui auront cru, les signes que voici les accompagneront. Par mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront dans leurs mains des serpents et, s'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. » Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci iront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Eux, ils partirent prêcher partout, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Je vous invite à chanter le cantique 145, les strophes 1 et 2 dans les louanges et prières.
nous prions ensemble. Ô Père du ressuscité, dans la communion de l'Esprit, accorde-nous la grâce de nous laisser atteindre par le message de Pâques. Tu sais les tombeaux qui nous emmurent, les peurs qui nous retiennent, les conformismes qui nous étouffent. Viens toi-même nous lancer des mots qui se ficheront dans nos cœurs de pierre pour les changer en cœurs de chair. Tu sais les images dans lesquelles nous t'enfermons, faisant de toi un Dieu lointain et indifférent, ou encore un divin despote prêt à nous broyer. Viens toi-même te faire connaître comme l'inconnu qui nous rencontre et nous remplit d'étonnement. Ouvre en nous des brèches dans nos certitudes les plus définitives. Rappelle-nous que ta gloire réside dans nos renaissances, notre envie de vivre. Insuffle en nous ta force de relèvement. Alors nous serons un peuple, ton peuple, rayonnant de ta bénédiction, porté par ta vie. Amen. On l'a lu ce matin, dans les premiers temps du christianisme comme aujourd'hui, la résurrection de Jésus est incroyable. Jésus lui-même, dans ce dernier passage de l'évangile de Marc, va jusqu'à reprocher à ses disciples de ne pas y croire. Il est écrit, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, puisqu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Cet étonnant passage ne se trouve pas dans les deux manuscrits qui font autorité en matière de sources des témoignages chrétiens, le Sinaiticus et le Vaticanus. On pourrait se dire, en bons protestants libéraux, qu'il ne faut pas apporter de crédit à un passage manifestement rajouté tardivement à l'évangile de Marc, et qu'il nous parle de sujets qui ont de quoi inquiéter un lecteur tolérant, rationnel et ouvert. Mais n'est-il pas important de comprendre, devant une affirmation aussi incroyable que la résurrection, quels ont été les arguments invoqués et les doctrines instituées par les premières églises chrétiennes pour fixer une orthodoxie de la foi au ressuscité, là où, dans les premiers temps au moins, manifestement, le doute était encore pris en compte.
Comment l'événement de la résurrection s'est-il mué petit à petit en dogme ? Dans ce qu'on appelle la finale longue de Marc, il est question d'apparition, comme dans les autres évangiles synoptiques d'ailleurs. Mais outre ces apparitions, on parle aussi dans ce texte de pouvoirs extraordinaires qui seraient conférés à celles et ceux qui croiront et seront baptisés. Autre fait étrange, là où dans l'enseignement de Jésus la foi suffisait au salut, ici il est promis aux seuls baptisés, comme si la pratique de ce sacrement était une évidence pour les premières communautés de disciples de Jésus, juste après la découverte du tombeau vide, comme si les premières générations avaient pratiqué le baptême de façon systématique et avec une doctrine déjà bien établie. Comme si seul le baptême pouvait faire du croyant un chrétien. On perçoit ici un glissement et même un anachronisme. C'est justement cette insistance sur les baptisés qui peut nous donner un élément de compréhension de ce passage qui n'est présent dans aucun autre évangile et qui pourtant emprunte des éléments à d'autres écrits, parce qu'on voit bien qu'il est cité dans ce passage plusieurs éléments qu'on retrouvera dans les autres évangiles. Ces quelques lignes, bien qu'assez brutales par rapport à un scepticisme somme toute assez naturel, sont en fait construites avec le plus grand soin, comme s'il s'agissait d'un résumé de ce qu'il faut dire et croire sur la résurrection de Jésus. Une première partie du texte raconte les apparitions du ressuscité. Une seconde partie évoque un envoi en mission des onze, et une dernière partie dit très brièvement l'ascension de Jésus-Christ. Le tout sur fond d'incrédulité et d'endurcissement du cœur, qui fait que par trois fois le ressuscité apparaît, d'abord à Marie de Magdala, puis aux deux témoins qui se rendent à la campagne et ressemblent à s'y méprendre aux pèlerins d'Emmaüs chez Luc, et enfin aux onze, pour leur reprocher leur manque de foi. Il est étonnant de lire un témoignage de foi qui met tellement en scène l'incrédulité des protagonistes. Ça n'a pas l'air de marcher beaucoup. C'est ce qui peut nous faire penser que ces discours avaient d'abord une existence hors des évangiles et servaient à l'enseignement d'un public particulier, propre à s'émouvoir d'un tel manque de foi. Ce public, c'est celui des catéchumènes qui se dirigeaient vers le baptême. Dans son livre intitulé « L'Église s'installe », aux éditions du Moulin, que je vous recommande, l'historien de l'Antiquité chrétienne Jean-Marc Prieur retrace les débuts du rite si important du baptême. Il s'appuie sur les témoignages que nous avons dans nos Bibles, comme par exemple le livre des Actes des Apôtres qui parle du baptême et des baptisés sans vraiment parler de catéchèse, à proprement parler, il n'y en a pas. Il s'agit plutôt d'une adhésion à une prédication qui permet ensuite à des adultes de demander le baptême pour faire partie des chrétiens et se trouver au bénéfice du même salut. C'est de ce point de vue assez conforme à ce que nous pratiquons aujourd'hui encore dans notre église de l'oratoire. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y soit pas fait mention d'un enseignement spécifique avant le baptême. Comme spontanément, les nouveaux convertis le demandent encore aujourd'hui. Ils demandent toujours un enseignement et des éclaircissements sur les questions bibliques et les questions de témoignage. En lisant le sermon sur la montagne dans l'évangile selon Matthieu, on pourrait, avec Jean-Marc Prieur, émettre l'hypothèse selon laquelle ces recommandations éthiques du sermon sur la montagne, prononcées par Jésus, pourrait constituer en fait l'enseignement de base de tout nouvel arrivant dans le christianisme. Et ce serait peut-être une partie qui aurait été rédigée dans ce cadre-là, dans ce but-là.
Mais notre historien a une autre base d'informations importante. Un livre d'enseignement de pratique des premières églises intitulé « La Didaké », ce qui se traduit « enseignement » en grec, et qui est aussi appelé « La doctrine des 12 apôtres ». Cet ouvrage est daté de la fin du 1er siècle et présente deux voies, comme c'est la tradition déjà dans le judaïsme avant la Didaké. La voie qui mène à la perdition, aux ténèbres et à Satan, et la voie qui mène à la lumière, au salut et au Christ. Dans la Didaké, on parle aussi de la pratique du baptême, dans la deuxième partie, en ces termes. Pour ce qui est du baptême, donnez-le de la façon suivante. Après avoir enseigné tout ce qui précède, donc la doctrine des deux voies, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans l'eau vive d'une rivière. S'il n'y a pas d'eau vive, qu'on baptise dans une autre eau. Et à défaut d'eau froide, qu'on baptise dans de l'eau chaude. Si tu n'as ni de l'une ni de l'autre, verse de l'eau sur la tête 3 fois au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qu'avant le baptême, jeûne celui qui va baptiser, le baptiser lui-même, ainsi que d'autres personnes qui le pourraient. Au moins, ordonne au baptisé de jeûner au moins un jour ou deux auparavant. On reconnaît ici le baptême tel qu'il est encore pratiqué aujourd'hui, mais il y a une insistance particulière sur le jeûne qui montre que le baptême est accompagné toujours d'un moment où le baptisé doit faire pénitence. Se repentir de bon aloi pour le baptême explique pourquoi la finale longue de l'évangile de Marc a pu être écrite. Elle met en relief l'enseignement dispensé aux catéchumènes qui voulait être baptisé et le travail sur soi et sur sa propre foi avant d'accéder au sacrement. Entre réminiscences de pratiques juives de purification, on notera d'ailleurs que les femmes étaient exclues du baptême quand elles avaient leurs règles, et d'aménagement des rites pour les communautés pas toujours très installées socialement, les premières églises pensent leurs pratiques en termes d'exigences morales et vont avoir tendance à constituer de plus en plus une église de purs, pour se différencier des autres groupes spirituels qui sont autour d'eux et affirmer leur identité. C'est au cours des 2e et 3e siècles que ces pratiques se codifient, se structurent et souvent se sclérosent malheureusement. L'intérêt de la finale longue de Marc, c'est qu'il s'agit d'un sommaire de la foi des premiers chrétiens réunis en Église. Et comme si l'exercice et la légitimité de l'autorité avaient été difficiles à instituer dès les premiers moments de l'absence du Maître Jésus, les pédagogues, auteurs du texte que nous avons lu ce matin, tentent de trouver en une présence symbolique du Jésus ressuscité la caution qui leur manque pour dire comment on doit être chrétien et quelle église on doit constituer. La présence du ressuscité n'est d'ailleurs pas présentée comme le Jésus historique. En reprenant les différentes apparitions qui sont présentes chez Jean ou chez Luc, la finale longue de Marc explique que lorsqu'il apparaît à Marie de Magdala, les disciples sont dans les pleurs et la peine et ne croient pas Marie. C'est leur chagrin et leur deuil qui obscurcissent alors leur intelligence par rapport à la nouvelle présence de Jésus ressuscité. Ensuite, il apparaît aux deux marcheurs qui se rendent à la campagne, donc loin de Jérusalem. Et là, le texte dit « sous une autre forme, hétéramorphée » en grec. Ce qui signifie qu'il n'a plus la même apparence ou alors qu'il se manifeste sous la forme d'une inspiration peut-être, qui vient d'une rencontre sur le chemin, même si quelqu'un d'autre, qui n'est pas du tout Jésus, le ressuscité, est venu rejoindre les deux personnes qui marchaient ensemble et s'éloignaient de Jérusalem.
ce qui est une expérience que nous vivons d'ailleurs quand, dans le deuil, nous pensons à nos défunts par le truchement d'une évocation fortuite, faite parfois dans des conditions tout à fait inattendues et par l'intermédiaire de personnes qui n'ont rien à voir avec le défunt auquel nous pensons. Enfin, il apparaît pour la troisième fois, ce qui évoque dans la tradition des textes bibliques un accomplissement et une vérité indiscutables. Et à ce moment-là, ce n'est plus un ni deux disciples qui sont témoins de l'apparition, mais 11. Et pas n'importe quel 11. Il s'agit des apôtres, ceux dont on emprunte l'autorité pour sous-titrer, par exemple, la Didaké, doctrine des 12 apôtres, puisque le 12e a été élu entre-temps. Ceux qui sont dépositaires de la droite ligne pour suivre Jésus. Ceux qui sont les premiers témoins, ceux qui sont envoyés en mission par le Maître. Il est d'ailleurs amusant de voir que les 11 réunis ne croient pas, ont le cœur endurci et sont pourtant témoins de l'apparition du ressuscité, qui n'hésitent pas, malgré leur incrédulité, à les envoyer en mission alors même qu'il les reprend sur leur manque de foi. Quels drôles de missionnaires seront-ils ? C'est qu'il faut que les 11 soient envoyés pour justifier la tradition apostolique du baptême et de la repentance qu'ils supposent. Nous avons donc là un exemple de texte normatif qui va chercher son autorité dans les apparitions du ressuscité. Il ne faut donc pas se tromper sur la portée d'un tel texte. Le problème ici n'est pas de faire croire à tout prix que Jésus est revenu hanter comme un spectre les premières communautés chrétiennes pour leur dire comment il fallait croire et vivre la foi. Le but d'un tel texte est de faire autorité sur des catéchumènes qui se dirigent vers le baptême en mesurant mal encore ce que veut dire cet engagement de foi, en termes de renoncement, peut-être, à une vie passée différente. La question n'est donc pas « faut-il croire ou non aux apparitions du ressuscité ?» mais plutôt « quel spectre dessine en creux ces apparitions ?» Peut-être celui d'un monde pluriel et violent, dans lequel une éthique de foi tente de s'installer, de s'instituer, comme nouvelle religion contre les habitudes du temps. Peut-être n'était-il pas si facile d'entrer dans les communautés chrétiennes et de choisir cette voie alors qu'il y en avait tellement d'autres qui étaient peut-être plus accordées avec les pouvoirs du temps. Dans son Apologie pour les chrétiens, écrite au cours du IIe siècle, Justin explique aux païens: après avoir cru au Logos, nous nous sommes éloignés des démons pour nous attacher seulement par son Fils à Dieu inengendré. Nous qui autrefois prenions plaisir à la débauche, maintenant nous ne chérissons plus que la chasteté. Nous qui recourions aux artifices de la magie, maintenant nous sommes tout entiers consacrés au Dieu bon et inengendré. Nous qui estimions par-dessus tout l'argent et les propriétés, maintenant nous mettons en commun ce que nous possédons et nous le partageons avec quiconque est dans le besoin. Nous qui, à cause de nos coutumes, n'admettions pas d'étrangers à notre foyer, maintenant, après la manifestation du Christ, nous partageons avec eux le gîte et le couvert. Extraordinaire récit de conversion qui montre ce qu'il a fallu de foi pour renverser les préjugés, les pratiques traditionnelles et les penchants égoïstes d'une époque, afin de faire émerger une autre éthique de vie qui s'appliquerait à chacun et s'appellerait le christianisme. Bien sûr, c'est assez moralisateur et ça donne l'impression d'un récit comme ceux qu'on trouve dans la légende dorée, où les saints sont toujours absolument terribles avant de devenir des saints.
ils ont toujours une vie catastrophique juste avant, et puis par la grâce de Dieu, ils deviennent extraordinaires et font tout ce qu'il y a de bon aux yeux du Seigneur. Alors, quel ressuscité apparaît dans nos vies aujourd'hui ? Aujourd'hui encore, comment apparaît-il dans nos vies pour convertir notre existence à une vie de foi, de partage et d'accueil ? Comment cette transformation se fait-elle encore pour chacun de nous ? Quelle autorité prêtons-nous à l'enseignement du Jésus historique ? Et comment convertit-elle notre éthique de vie ? Dans un contexte où nous avons plus à justifier la permanence de nos communautés qu'à les faire émerger, car elles existent depuis maintenant très longtemps, quelle alternative éthique offrons-nous à nos contemporains ? Qu'est-ce que nous allons annoncer comme grande nouvelle, comme les apôtres y avaient été encouragés ? Sans doute pas cette façon dualiste et moralisatrice que l'on trouve ici assez tranchée dans cette finale longue de Marc, mais quand même, cette présence du ressuscité, que nous dit-elle aujourd'hui et comment nous la transformons dans notre quotidien et dans notre façon d'être ? Contre quoi voulons-nous lutter et vers quoi voulons-nous aller ? Quelle forme prend le Christ quand il nous apparaît ? Amen.
Je vous invite à chanter le cantique 154, les strophes 1, 2 et 3. Voilà, après ce chant bucolique, je vous invite à partager quelques annonces. Si vous voulez bien vous asseoir, c'est Denis au Conseil presbytéral qui va partager avec nous les annonces de ce matin. Bonjour chers amis et chères amies de la paroisse de l'Oratoire du Louvre qui êtes ici. Nous sommes un peu moins nombreux car beaucoup d'entre nous sans doute sont en train de courir le marathon. Chers amis aussi derrière la caméra, nous vous saluons. Voici donc quelques annonces. C'est la première semaine des vacances parisiennes qui commence aujourd'hui. Donc il y a moins d'activités. Toutefois, venez nombreux jeudi pour la pause spirituelle de 12h30 à 13h30, ici même au temple. C'est un moment de partage et de prière qui sera animé par Madame Agnès Adeline Schaeffer, notre pasteur. Je pense que vous êtes d'accord aussi pour remercier Béatrice Cléraud-Mazir, notre pasteur aussi, pour sa prédication aujourd'hui, et Madame Agnès Adeline Schaeffer d'avoir présidé ce culte avec elle. Merci à Aurélien Peter à l'orgue et à Madame Delin pour tous les détails pratiques qui nous permettent de suivre ce culte. À la fin du culte aussi, nous vous proposons d'attendre mesdames les pasteurs et d'aller avec elles pour Parole de vie. Parole de vie, c'est un moment qui commence à 13h15, ce sera jusqu'à 15h, en salle mono à la maison presbytérale. Et le thème aujourd'hui sera « Deuil de nos vies ». Et vous êtes invité à partager. C'est un moment très vivant en réalité, même si le thème paraît... Mais le deuil fait partie de la vie, malheureusement. Oui. Et donc nous aurons l'occasion d'en discuter ensemble. Tout à fait. Et puis sinon aussi, Madame Denise Brigou de son association attend les produits de soins et d'hygiène corporelle qui sont utiles pour les personnes qui en manquent. Donc nous vous proposons, lorsque vous reviendrez la prochaine fois, de les poser sur le banc qui est à l'intérieur du temple, dans la chapelle, en entrant sur votre gauche ou en sortant sur votre droite, la chapelle qui est là-bas. Une autre annonce aussi, et ce sera la dernière. La semaine dernière, pour ceux dont nous avons les adresses mail, un reçu fiscal vous a été adressé.
Si ça n'est pas le cas, vous pouvez le réclamer à secrétariat@oratoire.fr. Enfin, vous trouverez l'adresse sur le site internet. Et nous vous remercions beaucoup pour votre générosité. Ainsi, depuis 4 ans, le montant des dons a augmenté de 17%. Et comme parallèlement les charges ont diminué de 27%, cela a permis l'an dernier à notre paroisse d'être en équilibre financier, ce qui est une preuve de son dynamisme et nous permet de proposer toutes les activités que nous vous proposons, bien sûr, pour cette année. Et nous espérons pouvoir compter encore sur votre soutien. La quête qui va avoir lieu à présent se fera cette fois au bénéfice de l'association Union protestante, libérale et progressiste, qui prend la suite de Évangile et liberté et permettra la publication par internet ou sous forme de journal pour continuer Évangile et liberté. Voilà, donc une autre forme qui ressuscite en fait. Évangile et liberté profite de Pâques pour vous parler d'une résurrection et nous allons pouvoir continuer ce travail d'édition pour pouvoir faire circuler les idées d'un protestantisme libéral et progressiste. Nous avons pensé qu'il était important de travailler sur cette question du progressisme. Et voilà, nous avons la possibilité d'aider cette reprise avec une structure qui nous permettra de bien fonctionner cette fois-ci. Et j'aurai le plaisir de travailler avec cette association dans la partie éditoriale. Et donc, je suis très heureuse de cela. Et je pense que Agnès sera aussi à la manœuvre avec nous. Et donc, soutenez cette initiative qui permet que ce qui se prêche ici, ce qui se dit dans les lieux où l'on défend vraiment l'ouverture, la tolérance et le libéralisme théologique, que ce soit possible de d'essaimer un peu partout pour que les gens sachent que ça existe. On est évidemment toujours très minoritaire hein, dans notre société en termes de discours libéral de ce type-là. Il faut qu'on se fasse entendre pour que ceux qui cherchent une maison qui leur correspond, un lieu de foi où ils puissent exprimer leur foi tels qu'ils sont, avec dans l'état de vie où ils sont, comme ils le souhaitent, dans toute la liberté que la foi peut donner, qu'ils trouvent ces lieux-là et qu'ils sachent que ça existe. Et donc nous avons vraiment un travail d'édition à faire. Et donc je compte sur vous pour encourager tout ce travail qui va permettre de propager ces idées. C'est notre mission, comme celle des 11 qui étaient envoyés en mission. Et ben nous, c'est pareil, on est envoyés en mission pour aller dire que la foi, ça peut être, et la religion, ça peut être un lieu de grande liberté, de grande ouverture et d'amour du prochain sincère et sans limitation de tel ou tel critère. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous allons donc passer dans les rangs. Et je rappelle aussi que la librairie est ouverte. Et puis après le culte, donc, ce sera parole de vie. Merci beaucoup.
Je vous invite à la prière. Éternel, nous voulons ce matin penser particulièrement à toutes celles et ceux qui avancent vers le baptême dans notre Église. Souvent des adultes qui ont cherché longtemps une demeure où pouvoir être reçus sans être jugés. Une demeure où ils ont senti qu'ils pouvaient être dignes d'un amour infini. Une demeure où on les a reconnus avec toute la richesse de leur vie. Une demeure où aucune personne n'est au-dessus d'une autre. Et où toute personne est tournée vers Dieu. Éternel, permets que toutes ces personnes qui viennent demander ce signe, qui en ont besoin dans leur vie, puissent trouver les conséquences pratiques dans les communautés de cet amour infini, de cet amour infini posé sur eux au moment du baptême. Permet que nous soyons, comme communauté chrétienne dans ce monde, des lieux d'accueil où l'esprit qui doit diriger nos actions soit plus fort que toutes les prises de pouvoir et d'autorité qui seraient mal acquises. Nous avons besoin, Éternel, d'être guidés, de savoir nous retirer pour te laisser la place, de savoir agir non pas pour l'existence de nos communautés, mais pour ton existence au milieu de nous, afin que ta présence, dans la présence du ressuscité, devienne manifeste dans ce monde. Éternel, nous te remettons toutes les familles en deuil qui viennent, poussent la porte du temple et cherchent un réconfort et une consolation. Et pour toutes les autres qui ne disent rien et continuent à vivre des deuils qui les rongent et les font souffrir. Permets que nous soyons accueillants pour cette douleur si particulière de la perte. Et que nous soyons capables de prononcer les mots qui consolent, ceux qui relèvent, ceux qui rendent manifeste la résurrection des morts. Éternel, nous te remettons toutes celles et ceux qui cherchent une parole qui puisse les conduire dans la joie de la résurrection. Pour toutes ces morts qui parcourent nos vies et qui font que souvent nous avons l'impression que les choses n'aboutiront pas, que les empêchements sont nombreux, que les handicaps sont multiples, et que nous sommes bloqués dans certaines parties de nos vies parce que nous n'avons pas choisi ce qui nous arrive. Que toutes ces situations puissent être déposées dans tes églises, dans tes temples, dans ces lieux que tu as suscités par la foi au cours des âges et qui sont les lieux où l'on peut tout dire, tout penser, tout déposer avec confiance,
Envoie, Seigneur, ceux qui ont le courage d'aller dire que tu aimes chacun tel qu'il est. Envoie, Seigneur, celles et ceux qui peuvent porter ta parole, qui peuvent la faire vivre dans leur existence, qui peuvent lui donner corps, lui donner de nouvelles formes. Éternel, rends-nous porteurs et porteuses du ressuscité, dans nos vies, là où nous sommes, et que par notre confession de foi vécue, beaucoup autour de nous se relèvent de leur mort. Et ensemble, nous voulons dire, avec les disciples qui ont appris cette prière du Christ, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes ici ce matin et bientôt nous serons ailleurs avec d'autres qui ont besoin de connaître cette parole de résurrection. Alors allez la porter à votre manière, avec vos mots à vous, avec votre vie à vous, et que chacun puisse sentir que vous êtes habité par l'apparition en vous du ressuscité. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur qui fait grâce et qui aime chacun, vous fait grâce et vous aime infiniment. Amen.